Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Sleeping Dog Definitive Edition. Allez, let's go! Nous voilà donc dans le menu principal donc de Sleeping Dog Definitive Edition. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sleeping Dogs, donc c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà sur console et PC de la génération précédente maintenant du coup. Et donc pour cette génération next-gen, qui est Current Gen maintenant. Ils ont décidé donc de ressortir le jeu avec en le dénommant Definitive Edition, c'est-à-dire qu'il inclut tous les DLC qui sont sortis à ce jour, plus une refonte graphique. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va tout de suite reprendre une partie que j'ai déjà bien avancée. Voilà, donc là on se retrouve dans ce Sleeping Dog Definitive Edition. Donc là vous pouvez pas encore vraiment apprécier la refonte graphique, ça reste comment dire, ça reste très comparable à ce qui pouvait se voir dans les précédentes versions. Enfin moi en tout cas je vois pas de différence de ce côté-là. Par contre voilà. Moi, la différence que qui m'a frappé moi et que j'ai trouvé vraiment 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 sympa, c'est la pluie. Donc tout ce qui est mouillé avec les flaques et les reflets, je trouve que ça rend plutôt bien moi je trouve. Que ce soit les reflets, les flaques au niveau du sol, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le champ de vision, enfin la distance d'affichage pardon, j'ai l'impression qu'elle a été améliorée par rapport à la précédente version. Le skin aussi, par exemple, là, on voit qu'il est mouillé, le camarade, là. Et ça, j'ai pas le souvenir que ça y était dans la précédente version. On va se barrer, sinon je vais me faire écraser. Donc, toujours, je le répète, tous les jeux auxquels je joue sont en ultra ou en extrême, enfin, peu importe comment ils dénominent ça. Mais c'est au taquet, en gros, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Donc on va pas prendre des véhicules tout pourris, tant qu'à faire, vu que j'en ai des sympas, on va prendre des véhicules sympas, voilà. Donc là, on va se retrouver, on va se refaire une mission. Ça commence bien. Donc on va aller à une mission qui est en cours. Ah, vous voyez que je pilote super bien. Sur les jeux de simulation de voiture, je suis très bon, mais là, c'est vrai que la conduite est encore plus bizarre, j'ai envie de dire, que dans un GTA. C'est un GTA Live, jusque-là, pas de souci, pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendu compte. Mais la conduite est extrêmement bizarre comparée, même comparée à un GTA. Ok, donc là, il faut trouver un déguisement. On va y aller tout de suite. Nous voilà habillés en médecin. Médecin, chirurgien, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est une statue qui va vous permettre. Il y en a plusieurs de. Il y en a combien? Il y en a 12, il me semble. Disséminés un peu partout dans le monde du jeu. Et ces statuts vont vous permettre d'améliorer vos compétences de combat. Car oui, c'est un GTA-like, mais au final, les armes à feu, vous en aurez très peu. Enfin, c'est pas le, comment dire, c'est pas votre armement principal, les armes à feu. Voilà. Donc file dans ta chambre. Donc je vous disais, les armes à feu ne sont pas courantes dans Sleeping Dogs. C'est essentiellement du combat à main nue, du Kung Fu, étant donné que le jeu se passe à Hong Kong. Donc c'est essentiellement du Kung Fu. Donc là on est rentré dans une phase de hacking.
Donc moi j'ai ma technique particulière de hacking. Après, chacun estime qu'elle soit bonne ou pas. Donc 0. Là on va foutre le 5. Et là on va mettre le 6. Voilà, donc c'est pas du 7. C'est pas du 8. Et je crois qu'il me reste, voilà, il me reste deux essais. Non. Looks like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donors, Sang? Voilà. Donc là, faut se dépêcher un peu parce qu'il faut placer le micro avant que le docteur ne revienne. Donc on va se bouger un peu le boule. Voilà. Et on va placer le micro par là. Voilà. Donc ensuite, il faut calibrer le micro. Donc il faut trouver le petit point qui va bien. Voilà. Pareil sur le stick de droite. Et maintenant, c'est les deux. Voilà, le micro est calibré. On revisse la trappe. Maintenant, il faut qu'on aille s'occuper du coffre. Merde. Voilà. Le coffre est ouvert. Donc vous pouvez voir que les textures intérieures n'ont pas forcément été mises à jour, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a certaines textures qui sont il y a certaines textures qui sont très jolies et d'autres qui le sont beaucoup moins, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas non plus dégueulasse, ça pique pas les yeux, mais on pouvait s'attendre à une refonte graphique un peu plus profonde. Ça n'empêche que ça en reste un très très bon jeu. Pour ceux qui ont déjà joué lors de sa sortie et qui n'ont pas fait et qui n'ont pas eu les DLC et qui n'ont pas acheté les DLC, ça peut être super sympa de le refaire et d'y rejouer. Donc et avec cette petite refonte graphique, c'est vrai que c'est sympa. Plus tous les DLC, ça fait quelques heures de jeu supplémentaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'y ont pas joué lors de sa sortie, c'est un bon moyen de découvrir un très très bon jeu. Enfin, que moi je considère comme un très très bon jeu. C'est un GTA-like, on va dire, qui est extrêmement bien réussi, moi je trouve. Surtout, enfin moi, j'aime déjà beaucoup, pardon, tout cet univers asiatique. Japon, Chine, Hong Kong, tout ça, c'est vraiment des pays qui m'intéressent et que j'aime. Donc pour ceux qui aiment la culture hongkongaise et asiatique, ça nous met vraiment dans l'ambiance parce que Hong Kong a été retranscrite dans l'intégralité. Donc les voix ne sont pas. Est-ce que je l'ai déjà débloqué le temple là-bas? Les voix, donc la bande son, ne sont pas en français. Mais donc vous avez les voix réelles. Donc c'est de temps en temps ils vont parler en je pense que c'est en mandarin parce que le hongkongais ça doit pas exister à mon avis, en chinois, allez, avec leur accent, ils vont parler en anglais avec leur accent aussi asiatique. Et moi je trouve que la VO est très bien, est très bien, est très était très bien faite et très bien rendue en tout cas. Bon, là, on va pas se taper tout à pied non plus, donc on va téléphoner à notre voiturier Hey, it's Wei. I need a car. qui va nous apporter une voiture. I'll be there right away. Donc là, vous allez l'entendre arriver normalement. Voilà. Et là, voilà. Donc là, je vais vous montrer, on va rapporter la statuette pour obtenir des coûts supplémentaires à l'école d'arts martiaux.
Vous avez entendu, même les passants parlent chinois. Voilà, donc là c'est toutes les statues dont je vous parlais. Donc c'est ma ça, il y en a 12, 3 fois 4, 12. Et donc plus vous en trouvez, donc plus vous débloquez de coups spéciaux et d'améliorations pour votre combat au corps à corps. Tout à l'heure je vais vous montrer les différents levelings possibles pour votre personnage. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Contre-attaque agressive qui repousse l'ennemi en arrière. B et Y. Ouais, pourquoi pas. Allez. Ah, j'ai pas le droit. Bon. Bon, on va apprendre ça, non? Après avoir taclé l'ennemi, appuyez sur A plus B et X. Ouais, bon. Ok. Ah merde, depuis tout à l'heure je faisais les mauvais boutons en fait. D'accord. Voilà. Donc je l'ai fait une fois. D'accord. Je sens que je vais pas l'utiliser beaucoup, ce truc-là, en premier. Putain, pourquoi il le fait pas, là? Je sens que c'est une technique que je vais très peu utiliser en combat. D'accord. Et putain, mais... Ça commence à me gaver cette histoire. Voilà. Vous voyez qu'il y a un système de contre. Là j'ai déjà quelques techniques de combat d'acquises. Donc vous voyez qu'il y a un système de contre, donc quand l'ennemi se retrouve avec un halo rouge autour de lui, vous appuyez sur Y et du coup ça contre l'attaque. Et il y a d'autres systèmes comme ça qui s'implémentent au cours de la partie au fur et à mesure que vous débloquez des compétences. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Je vais à la amélioration. Voilà. Donc vous avez plusieurs types de leveling. Donc vous avez les niveaux, le leveling en tant qu'agent de police. Donc là vous pouvez voir que je suis au niveau 8. Vous avez le leveling en tant que membre de triade, des triades. Donc ça c'est pareil, soit ça se gagne en faisant des missions police, donc les bleus, soit les missions triades, les rouges. L'entraînement de mêlée, donc c'est le combat au corps à corps, ça c'est ce qu'on vient de faire. Vous avez le face meter, donc c'est la réputation. Donc au fur et à mesure que vous rendez des services aux habitants ou que vous réussissez des missions avec des objectifs précis, vous gagnez du face meter, donc du niveau de réputation. Et ça, la santé, c'est les petits temples que je suis allé voir tout à l'heure en sortant de l'hôpital, si vous avez fait attention. Quand vous les validez, du coup ça vous augmente la barre de santé, donc jusqu'à 100%. Donc en gros, c'est ça la couleur que vous voyez en bas à gauche. C'est le rouge, c'est la barre de santé de base, et le bleu, c'est les upgrades
que j'ai réussi à réunir jusqu'à maintenant. Donc là, il faut que j'appelle Teng. Donc on va appeler Teng. Voilà. He already got the call. But wait, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But wait, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Voilà. Mais c'est de la merde cette bagnole! J'avais la voiture la plus rapide du jeu, il me refile une merguez! Putain de merde! Du coup, je fais que des conneries. Oh là là. Ça sent la défaite là cette histoire là. Avec une merguez pareille. Voilà. C'est pas trop tôt j'ai envie de dire quand même. Alors c'est spectaculaire, c'est sympa, mais quand ça marche, parce que là. Dr. Zhang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Wei. I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Ouais, donc là, vous allez voir. He's done more than 20 transplants for Ink Tinkay in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads. I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le score de police dont je vous parlais tout à l'heure. Quand les trois insignes sont remplis, vous avez fait le score maximal. Et bah là, vu que j'ai fait des conneries, il manque un bout d'insigne. Donc là, j'ai gagné un niveau, donc vous allez voir les améliorations. Voilà. Donc ça, c'est les améliorations de police qui sont disponibles. Donc là, ça améliore mes attaques en voiture. Donc plus qu'un niveau et j'aurai le niveau taquet en flic. On va se faire une course, tiens. Voilà. C'est juste à côté, donc vous allez voir ce que c'est une course. Bon, ça me gave d'y aller à pied. On va voler une voiture. Ah, dégage. C'est à moi. C'est bon. Petit coup de klaxon. Voilà. Donc là, voilà, c'est des courses de classe A. Donc, classe A, laquelle est la meilleure? Ah, il me semble que c'est celle-ci la meilleure. En classe A, donc on va choisir celle-ci. Donc ça, vous avez accès aux voitures que vous avez achetées. Moi là, je suis déjà bien avancé, donc j'ai pas mal de thunes. J'ai acheté pas mal de bagnoles déjà. Donc vous avez accès quand vous sélectionnez une course, vous avez accès aux véhicules que vous avez achetés, mais uniquement dans la classe correspondante à la course. Donc là, en l'occurrence classe A, donc j'ai accès à tous les véhicules classe A que j'ai dans mon garage. Vous allez vous dire que je me traîne un peu le cul, mais vaut mieux aller moins vite et prendre les virages pas trop mal, plutôt que, comme vous avez pu le voir, la physique est assez bizarre dans le jeu, la physique des véhicules, plutôt que de se retrouver complètement en vrac et de se faire doubler par tout le monde, et de perdre la course. Et les courses, pareil, vous rapportent de la réputation. Donc là, je sais pas si je vais passer un level en réputation, mais vous verrez à la fin de la course si je finis le premier. Que le niveau de réputation va augmenter. Donc oui, là j'entends la musique, ça me fait penser que moi personnellement, donc comme je vous disais, la VO je la trouve vraiment bien, mais les musiques choisies pour la bande son, je les trouve super également. Alors certes, c'est des musiques que j'apprécie, donc ça aide à ce que j'aime les musiques proposées. Mais je trouve que c'est, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ça va de la dubstep à de la house, en passant par de la musique un peu plus traditionnelle asiatique,
du hip-hop, il y a pas mal de il y a pas mal de différentes possibilités et moi j'ai vraiment aimé. Alors je pense que vous pouvez changer les stations de radio quand vous êtes en voiture. Donc là vous avez vu voilà les points de réputation qui augmentent. Donc là on va faire. Tout à l'heure on a fait une mission police, on a fait une course. Maintenant on va faire une mission triade. Donc on va aller tabasser des gueules tout de suite. Bravo! Donc, typiquement ça c'est le genre de comportement qui arrive assez souvent. Ils doivent conduire comme ça à Hong Kong, je sais pas. Ils ont poussé le réalisme jusqu'à la conduite complètement merdique des gens. Bon, en même temps, vu comment je conduis. Voilà. Je fais que de la merde. La preuve. Ah, dégâts matériels. Oh putain, mais. Je sais pas si c'était très rentable ce que j'ai fait, si je devrais pouvoir ressauter par là, voilà. Et voilà. Elles sont solides les bagnes. Hein. Voilà. Ah. Justement. Donc voilà, ça c'est les mallettes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc celle-ci n'est pas codée. Et vous voyez donc la 13 sur 40 à North Point. Et ça m'a valu un t-shirt. Super. Mais vous en avez d'autres qui sont codés. Et donc faut faire un peu les manips de tout à l'heure. Donc comme quand j'ai ouvert le coffre, il faut ouvrir le coffre et pour obtenir les items. Donc pareil, ces effets de fumée, j'ai pas le souvenir qu'ils étaient dans la version de base, donc non upgradée graphiquement. Donc s'ils y étaient, autant pour moi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils y soient. Moi je suis allé dans les petits coins parce que souvent dans les recoins il y a des trucs. Mais donc pareil, la mer est beaucoup plus jolie que dans la version originelle du jeu. Tout ce qui touche à l'eau et au reflet et à la luminosité, j'ai l'impression qu'ils ont bricolé ça quoi. Eh bon, on va faire un peu de bateau. Mais je vous préviens tout de suite, je suis loin d'être un pro en navigation maritime. Donc je sais pas si je vais réussir cette mission du premier coup. Que les bateaux se dirigent tout aussi bizarrement que les voitures. Donc là, à part le suivre... Oulala. Et voilà, et je vous avais prévenu, hein. J'étais une brêle. What's going on? Duke, get down to the docks. I'm gonna need a pickup now. Got it, on my way. Si ça continue, je vais perdre la cible. Ah, il y avait une mallette encore à droite. Mais bon, on va pas s'arrêter, hein. Waouh, il est fort le mec quand même. Voilà, donc là typiquement le genre de poursuite un peu comme dans les films pour les amateurs de films d'action ou de police asiatique qui se passe généralement à Hong Kong, c'est typiquement les courses poursuites auxquelles on a droit dans les films d'action asiatiques quoi.
Donc, pour les amateurs de ce genre de cinéma, on retrouve pas mal de clins d'œil et de choses qui se passent dans ces films-là, quoi. Putain, merde. Voilà. Donc une contre-attaque, craque la jambe. Pourquoi? D'accord. Donc c'est énorme, comme je vous le disais. C'est du corps à corps et de l'arme blanche. On peut également aussi faire des exécutions avec le décor. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est une exécution qui utilise le décor et donc ça, comment dire, ça fait peur aux ennemis restants. Ça doit faire mal, ça. Ok. Donc c'est pas la salissure des fringues, je sais pas si si elle était existante dans le précédent, dans le pardon, le Sleeping Dogs originel. S'il y en a qui ont joué à la version originelle et qui s'en souviennent, ou qui l'ont encore et qui l'ont relancé, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je dis des conneries ou si vraiment c'était pas dans la version de base, quoi. Not to me, it wasn't. Look, if you don't like it, you take it up with Big Smiley. He's the one who needs the pussy. I was doing my job. Oh, fuck, man. Is this what this is all about? Yeah. And Winston and Peggy. Oh, fuck. You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey, we can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking Sorony. Yeah? You and Big Smiley are pretty close, huh? Yeah, we're tight like motherfucking brothers. Me and Winston, we were tight too. Get him! Get him now! Donc les combats peuvent sembler répétitifs, mais oula, mais avec avec les compétences de combat que l'on débloque, les points du personnage deviennent de plus en plus performants, si je peux dire. Et donc ça, même si ça a l'air répétitif, ça en devient jouissif, les combats, quoi. On se sent vraiment puissant et comme je vais me répéter encore une fois, mais comme dans les films de ce type que l'on peut voir dans le cinéma asiatique, quoi. Là, je suis en train de me faire défoncer. Merde. Merde.
C'est vrai que les boss, on a toujours un peu du. Enfin, moi, j'ai toujours un peu du mal parce que c'est vrai que j'ai mon pattern. Vous avez pu le voir, j'utilise un peu toujours le même pattern dans les combats. Et merde. Et donc bon, là, le boss, typiquement, il est bloqué dans le mur. Est-ce qu'il va réussir à se débloquer tout seul ou pas? Voilà. Donc là, on va le sortir comme un malpropre. Allez, viens par là, salopard. Merde. Donc là, on le fout dans le coffre. Et on se barre. Et là, je suppose qu'il va y avoir une fusillade vu que c'est pas moi le qui conduit, c'est pas moi le chauffeur. Donc il y a d'excellentes chances qu'il y ait une fusillade. Donc là, vous avez vu encore une valise, une mallette pardon, sur la gauche. Là. Voilà. Donc là, on va essayer de tirer dans les pneus, voilà. Pour faire exploser les bagnoles. Voilà. Putain, la voiture, elle est dead. Il faudrait être plus efficace que ça, j'ai l'impression. Au final, je préférerais conduire. Ah, il y a... Il y a un piéton qui vient de descendre en apesanteur. What's going on? I'm bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Mrs. Chu, all right. We could take care of this ourselves. Je comprends les mêmes et on recommence. Hein. Me handle this and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the boss, Wade. Pareil, je trouve que les coups de feu sont super bien rendus. Et si vous écoutez, on entend bien la résonance du coup de feu dans dans la ville, quoi. L'écho, voilà, c'est pas la résonance, c'est l'écho. Ça c'est classe ça, dans la fumée je vois rien, c'est pour t'aimer. You think we're weird of them?
Cette fois-ci, on est bon. La voiture est en sale état, mais on a réussi. Some good driving there. Thanks, man. Donc là, on va donner le Dog Eyes à la maman de Winston. What the fuck you doing, huh? Wait. Sit down and shut the fuck up. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo sur Sleeping Dogs Definitive Edition. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Je prends vraiment plaisir à rejouer entièrement à ce jeu. J'avais déjà fini la version originale, si on peut dire. Et cette version, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de ce soit très répétitif et qu'au final, ça me dégoûte et que je n'aille pas jusqu'au bout. Mais bien au contraire, en fait, la petite, parce qu'il faut bien le dire, c'est une petite refonte graphique et agréable, c'est sympa à regarder. Les petits add-ons des DLC, donc que ce soit en mission complémentaire ou en lieu supplémentaire comme une île où on fait des combats, c'est assez sympa, ça apporte un peu de plus, on va dire. Et vu que ça fait maintenant quelques temps qu'il est sorti, c'est vrai que je parle de la version originale, je prends vraiment du plaisir à refaire toute cette histoire, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à vous qu'elle m'a plu à moi à faire. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !